mobilisation générale pour réouverture. Yeah, bon, tout d'abord, nous saluons encore tous les Haïtiens dans le monde entier. Encore plus les fanatiques de sport, les fanatiques de football. C'est un plaisir pour nous, de temps à autre, pour nous bailler des informations, surtout qui concernent le football là, en un pays d'Haïti. Et bien souvent, pendant que nous parlons de ça, tout vient dans la bouche, nous, tout vient dans l'esprit nous, pour nous parler de Ranch Croix des Bouquets. Que en pile monde connaît déjà qui ça vaut pour Haïti, surtout en ce qui concerne sport et encore plus football. Donc, je veux dire, tout le monde est capable de constater que Haïti, qui n'a un poule comme tête de série, n'est pas arrivé à réaliser ça, le droit de réaliser. Il n'est pas respecté RAL. Pour quelle raison? Parce que tout simplement, préparation, ça veut dire en pile. Ou pas capable de premier match où ou vient jouer dans une compétition. Pas de rythme, pas d'automatisme. Regardez, tout ce que vous cherchez, vous n'êtes pas capable de jouer ni parce que vous n'êtes pas préparé au préalable. Pour qui ça ne pas préparé? Donc, nous n'êtes pas capable de arriver préparé. D'abord, vous avez une peur qui plane sous quoi des bouquets, encore plus pour Ranchlan, parce que sont série des jeunes petites filles, jeunes petits garçons, pour aller faire dans Ranch. Et si vous avez qui arrive, pour que vous-même, ou pas gagner trop compte pour raconter par les parents, etc. Et le public là aussi, qui parle dit Jean Bagazate là dans le Croix des Bouquets, comment tu fais prendre Timon Sayo dans le météo dans le Croix des Bouquets. Donc nous avons regardé pour moi, qui ça serait capable de bailler, comment au moins ça serait capable d'améliorer, pour être capable d'entrer en septembre, il n'y a pas d'amélioration. En octobre, pas d'amélioration. Novembre, pas d'amélioration. Décembre, janvier, bon, nous te dit, quel que soit, Jean Sayen de entrer, mais janvier, ça vient planer pour février, etc. Obligé de prendre des précautions, fait que ou pas capable d'entrer ou dans range. Ou garder par ci, ou garder par là, pays a, censé, pas de côté, censé n'a pas au prince qui trop surveillé pour être capable d'entrer tout petit monde. Parce que nous gagnons. U14, nous gagnons U15, nous gagnons U17, nous gagnons U20, mesdames, nous gagnons U14, petit monsieur qui a dû entrer déjà, nous gagnons U17, petit monsieur qui a joué ici à la champion, qui a dû venir passer pour U17, qui a dû venir dans la formation. Vous n'êtes pas capable d'entrer. Et pas qu'on l'autre site dans le pays à côté, vous êtes capable de mettre tout ça. Donc, dans ce sens, ça fait que mesdames, vous entrez seulement le 10 pour commencer à travailler avec vous le 11. Donc, quelques jours de préparation sans match amical, ça pas suffit pour que vous venez jouer avec des équipes qui font tout le temps pour entraîner, de temps à autre qui jouer match et avec l'autre et sélection, match international. Donc, c'est vraiment pas facile pour Haïti. C'est vrai, talent là. Et puis, nous venons d'autres difficultés, côté quelques joueurs ne sont pas capables de jouer, etc. Donc, ça vient un pile problème. Bon, mais plus gros problème, non, c'est parce que nous ne sommes pas capables de gagner, mesdames, dans le Ranch Croix des Bouquets, pour nous entraîner depuis, pour nous jouer plusieurs matchs amicaux, et puis pour que mesdames, nous jouions plus automatisme possible, pour nous gagner plus rythme dans le championnat, ça, et pour nous être capables de faire une meilleure performance que ça ou bien là. Mais en fait, le problème n'est pas, mesdames, parce que nous sommes toujours prêts pour avancer, pour avancer. Cependant, vous n'êtes pas capable sur place pour nous entraîner. Bon, en fait, il y a le fait aussi, ou évoqué brièvement, ce n'est pas dans la période FIFA que nous sommes, les joueurs qui sont internationaux, nous n'avons pas de cas gagner. Oui, bon, en fait, même les choses que nous allons réviser, parce que si nous avons l'autre jeune qui peut aller et qui peut avoir des possibilités pour jouer, il vient pour nous, nous sommes obligés de voir ça. Même les clubs ne sont pas tellement contents, mais nous sommes obligés de voir ça. Mais depuis qu'ils ne jouent pas FIFA, le club n'est pas facile pour le bon joueur. Là, et surtout, nous avons des joueurs qui sont censés en France, mais l'équipe est dans des situations très difficiles. Ils ont priorisé, comme si ça contrate, dire qu'au moins, ils ont joué joueurs. Bon, nous avons demandé en pile discussion, même les fédérations ont envoyé des lettres, des dérogations, etc. pour comment nous sommes capables de jouer nous en tête à Kyo. Ils ont même pas décidé. Bon, en fait, nous comprenons tout. L'étape très longue pour eux. Ils ont fini dans le senior et puis pour prolonger là avec nous. C'est presque moi et quelques jours d'ailleurs. Donc, ils ont même dit pas jouer à FIFA. Ils ne sont pas capables de jouer ça pour venir aider nous. Mais ils sont capables de dire le problème va là seulement. Si toutefois nous avons une chance pour nous être capables d'entraîner plus tôt, si toutefois nous avons une chance, même gens, si nous sommes dans le milieu naturel, c'est quoi des bouquets, pour nous entraîner matin, après-midi, à tout moment, ça, et nous permettre là, l'étape vraiment différente. L'étape vraiment différente parce que ce n'est pas comme ça en Haïti qu'on y est.
c'est pas comme ça Haïti connu. Ça fait longtemps Jamaïque dans football féminin pas capable ba nous filari tout ça, mais hier nous qui difficulté que tu gagné malgré tu as joué en infériorité numérique, mais yo même faut qu'on comprenne, faut qu'on ouais c'est des athlètes qui entraînés qui préparés. Nous même tout nous capable comme ça, nous même tout nous connait comme ça. Nous prenons ça. Et c'est ça fait nos têtes de série. Ce n'est pas grâce au fait. C'est pour ça que nous t'es fait déjà. C'est pour ça qu'il t'es bail déjà. Qui fait que au moins nous mettons nos têtes de série. Cependant, nous-mêmes nous connaissons. Haïti n'a jamais célébré. Haïti n'a pas pris comme ça. Haïti est toujours allé plus haut dans le football que jamais il a commencé à monter. Haïti n'a pas péril, pas baissé les bras. Nous pouvons avancer quand même. DT, dis-moi, comment sentez-vous? Regardez là, ouais, Dominicain, 12, 13 ans, femme ou garçon qui joue au football. C'est dans l'ambiance qu'on y est tous les jours dans le choix des bouquets. Mon cher, on va déchirer. Comme moi, je ne suis pas capable de quitter la compétition pour aller en Haïti. C'est ça fait les moins ça là pour moi petit monde 9 10 ans regardez à côté regardez vous 9 10 ans qui prend genre d'entraînement ça yo et puis pas nous même pas même côté côté yo nous bon sélection là sur champion ici là petit mesdames yo nous par contre côté yo lundi par contre côté yo toute la caillou mais pas du football nous gain petit garçon tout sur champion ici là nous par contre côté yo moi même c'est comme si peut-être en tant que directeur technique moi pas capable aller pour me dire rentre chez ouvrir pour tout le monde venir même senti qu'on m'a quitté pour m'aller pour me dire tout dirigeant yo on aller on font l'autre bagaille pas connait tout le monde toute la rue mes amis ça que nous être préparé là avec à côté nous là monde ça a plus moyen que nous même seule chance nous gagne c'est talent yo talent gagne mais en fait talent pas comme ça c'est chance c'est faire une bonne détection c'est gagner petit monde et sous mais nous qui peut prendre qui dans formation qui peut préparer pour que je ne te fais l'année dernière là c'est-à-dire en août là nous venons là nous battre le Dominique nous battre Porto Rico nous battre tout le monde pour nous être capable champion mais pour ça fait faut que nous gagnions mine ça continuer de travailler qui c'est range quoi des bouquets côté au moins qui est à faire valeur déjà qui est à montrer ça le capable faire déjà mes amis les nous ça là et parce que là c'est tout terre on passé dans Saint-Domingue et petit monde ça qui peut commencer l'autre petit monde commencer 8 9 ans l'elle pas gain 17 ans dans football regardez combien temps il est rien il y a 8 9 ans dans football laisse à son monde qui est en fin aguerri son monde qui est en fin avancer qui est malgré le jeune mais qui connaît tout ça pour le faire l'elle son terrain avec panouyo nous pas capable quitter qui peut prendre nous capable dire une formation sauvage parce que si on a levé là jouer avec l'autre pareil c'est vrai ça a aidé. Ça a aidé. Mais, les que l'on rentre, l'on centre de formation, il peut prendre formation. Il y a des professionnels. Donc, dans ça, il est mieux préparé. Et c'est ça qui fait que nous sommes arrivés qualifiés déjà pour la Coupe du Monde moins de 20 ans. Ce n'est pas ton hasard, ce n'est pas ta chasse que tu fais. Et il faut nous voir que qui est-ce que tu as quitté derrière? Tu as quitté le Canada. C'est Canada qui investit des millions de dollars dans le football féminin surtout pour que les toujours qualifiés pour Coupe du Monde, qu'ils soient dans le niveau junior, qu'ils soient dans le senior. Mais nous-mêmes, nous sommes quittés dehors pour nous aller à participer dans la Coupe du Monde. Mes amis, il faut que ça refait encore. Et pour le refait, il faut au moins que les gens aient une chance pour un côté qui formé. Et côté qui forme les gens généralement, pour que yo aller représenter mieux pays même les nous toujours connaît rancher li prend on dit 25 30 dans chaque catégorie gien l'autre côté tout qui peut former nous toujours au moins fait nous parler tel talent gien nous toujours fait venir pour que Haïti capable bénéficier des meilleurs talents yo pour yo capable livrer des meilleures batailles avec tout le monde qui dans zone là pourquoi pas avec quel que soit l'autre pays c'est seulement ça Haïti capable camper tête pour tête avec l'autre pays yo seul dans football là on dit seul dans sport. Peut-être dans la musique, nous faisons pile effort, c'est vrai. Dans le sport, dans le football, ça, là, nous prouvons nous déjà. Nous prouvons nous en fait effort, mes amis, tout haïtien dans le monde entier, pour nous continuer à prouver nous. Parce que nous connaissons que les choses ne sont pas faciles. Nous connaissons que les haïtiens qui sont dehors, les haïtiens qui sont dans les gens qui sont dans le pays, ça fait mal. Mais nous connaissons le football capable de porter un quelque temps pour nous. Même pour le football, pour être content pour nous, bien souvent, nous connaissons un club, mais sélection, surtout sélection jeune, nous connaissons pour être plus que content encore. Mais pour sélection jeune, capable d'arriver pour être plus que content, il faut au moins une formation qui peut faire depuis la base. Il faut une formation qui peut faire depuis la base. Dans tout le coin dans le pays, il faut que côté, comme un grand choix de bouquet, Jean Lia, qui peut bailler une meilleure formation encore pour que vous allez plus haut possible et plus loin possible. Merci beaucoup, Dété. Nous allons nous occuper et nous allons parler en l'autre fois. Merci. Et voilà, et les joueuses haïtiennes et
et qui déjà présente dans la séance là. Je suis campé pour première partie live là. Et c'était un cri d'alarme que coach Fioda et tout comme directeur technique national là, a parlé de coach Chéri et de Tabano, un petit détail. Et est-ce que vous pouvez avancer vers coach Anglade? Parce que nous avons parlé de Rancho des Bouquets qui n'est pas opérationnel. Et c'est un instructeur qui gagne dans Rancho. Coach Anglade, c'est un cri d'alarme qui lance là. Tout le monde dit qu'il faut Rancho relouvrir. Comme instructeur, nous avons un petit monde pour travailler. Comment sentez-vous? Bon, non seulement je me sens moins animé, mais je me sens tout au niveau footballistique, avenir nous est certain. Parce que si tu moun pas à l'école, le dit t'en vaut l'école, t'en vaut la nation. Eh bien, si tu moun pas à l'école, nationalement puis devant, pas pour rien. Eh bien, c'est de même que si nous pas faire recrutement pour jeunes 8-12 ans, ni filles, ni garçons, nous pas football, nous pas pérenniser. C'est ça. Donc, qu'est-ce qu'on a déchiré là, l'un de tout le monde, qui nous font un petit coup de caméra sur tout le monde dominicain. Là, nous, voilà. 12-13 ans, par exemple, on a un centre qui n'a pas déchiré, coach. Non, et pas comme qu'on a déchiré. Nous, on a une nostalgie. Ça, c'est nostalgie parce que des enfants que nous avons habitués à passer 3-4 ans avec eux, à travailler avec eux, à regarder qu'on a grandi, qu'on a développé. Et puis, qu'on a là, voilà que. Adversité un pays, des autres dans le pays à faire, que nous ne sommes pas capables de voir, nous ne sommes pas capables de gagner, nous ne sommes pas capables de côté et tout, nous ne sommes pas capables de vivre. Et parce que normalement, athlète pas fait un pile de temps pour jouer. À ce moment, nous pensons ça, nous ne sommes pas capables. Par contre, si c'est le premier ministre, nous ne qui est le responsable du pays qui pour dire un mot, si c'est le ministre, si c'est le ministre des sports là, pour tout le monde prendre une responsabilité, pour ouvrir factory ça pour nous. Parce que depuis factory ça pas ouvrir, nous avons des problèmes vidéo. Voilà, c'est Jean-Hubert Anglade qui a un job avec sélection. Et donc nous avons campé pour nous défendre parler avec le tour de Rancher qui est qualifié pour les playoffs côté de Walker, les 8e de finale face à Guyana. On va commencer par dire madame Fadia, bonsoir, comment y est? Bonsoir, c'est un plaisir pour nous capable ensemble jeudi à la pour nous parler de football. Parler de football et parler de sélection haïtienne qui est qualifiée pour les 8e de finale, comment vous vivez ça en tant que responsable technique? Normalement, nous avons une sélection, nous connaissons dans quelles conditions que nous sommes. Nous jouons 3 matchs, nous réussissons, nous faisons 2 nuls. C'est actuellement notre deuxième dans le groupe là. Et d'habitude, ce n'est pas toujours comme ça parce que Haïti, l'étape ça est toujours. Fait un pile d'efforts pour que nous soyons toujours bien représentés. Mais en termes de préparation, pour nous, ce n'est pas pareil. Dans le temps, nous avons quand nous, qui est un patrimoine du pays dans la question de football, qui est fermé. Toutes les joueuses nous sont éparpillées partout. Actuellement, là, ça fait près de 8 mois qu'ils ne sont pas actifs sur le terrain. Et pour nous, là, nous avons seulement 15 jours par rapport avec le pays à Vignier. Que vous êtes capable de préparer mesdames ça yo. Je pense que mesdames ça va faire un pile effort pour que vous êtes capable bah nous résultat ça que nous gagnons là. Sauf que mais ça c'est pas place à Haïti. C'est nous même dans zone nous c'est un grand ténor. C'est lorsque vous parlez de football dans la CONCACAF là c'est États-Unis, Canada, Mexique, Haïti. Mais pour nous faire bagage ça yo, c'est pas comme c'est pas hasard. C'est toujours ces préparations que nous toujours fait qui permettent que nous capable bailler de grands résultats dans le championnat à jouer yo. Ça veut dire, coach, je voulais comprendre que performance ça, et qui fait que Haïti n'a pas respecté Ron en tant que tête de série, parce que c'est une tête de série qui part premier, États-Unis premier, Mexique premier, Canada premier. Nous-mêmes, notre quatrième tête de série, nous n'avons pas respecté Ron. Donc, ça, selon vous-même, c'est un manque de préparation et par rapport à la conjoncture qui gagne en Haïti, votre cas gagne jour et de très tôt pour te préparer. Bien sûr, normalement, on connaît que le football, c'est les conditions qui jouent. C'est ici que moi par rapport à physiquement, techniquement, tactiquement, mentalement, même socialement tout, ça crée de grands problèmes. C'est-à-dire, lorsque une équipe, vous avez un joueur, il fait 8 mois pas jouer, c'est comme si c'est une bonne ancienne joueuse que nous gagnons. C'est à recommencer. 15 jours seulement va suffire pour faire une base, une équipe comme ça, parce que tout ça que nous gagnons comme qualité, nous perdons tout. Nous avons gardé souterrain dans le match là, dans le match que nous jouons. Pourquoi comme si manquer cohésion,
manque qualité ou là qualité ou là cependant ou que nous manque en pile dans match à son match t'as supposé gagner c'est comme si l'équipe l'a préparé tout bon et malgré l'équipe l'a en effet numérique puisque nous pas en condition même physiquement on regarde les Jamaïques par contre combien de matchs que nous avons gagné à Jambio on regarde c'est des athlètes qui très costauds encore après comme si ils sont très puissants par rapport avec nous mêmes et malgré ça nous sommes capables de jouer en face sans que nous pas préparer ou que nous fait ça mais quand même je pense que c'est important pour nous féliciter les joueurs que nous gagnons parce que nous faisons pile d'efforts, pile sacrifice. À côté de manque de préparation, coach, il y a aussi le fait que la compétition a déroulé dans une période qui n'est pas période FIFA, il y a des joueurs qui n'ont pas gagné. Ça, c'est notre bagarre encore. Malgré que nous ne pas préparé, si nous avons des joueurs, nous avons des Corven, nous gagnons Tabita, nous gagnons Milan, nous gagnons. Toutes les joueurs qui sont dans la catégorie, ça, nous avons notre bagarre. Parce que là, même dans le match, on sent que nous avons en panne de leader. Comme si des gens qui ont dit, mesdames, en aller pas seulement avec bouche non c'est dire non façon que la réagir sur terrain qui va aider l'équipe à remonter c'est ça que nous en parler mais quand même mesdames vous faites très bien je pense que nous pourrons la construire ensemble pour que nous capables avancer dans l'étape voilà la prochaine étape là c'est 8e de finale face à Ghana mais avant d'en arriver là est-ce qu'on a un message particulièrement pour ça qui a rapport avec les gens qui sont perso et de nos jeunes là dans le République dominicaine, c'est la c'est Timon 12 ans qui a regardé un cap de football. Donc ça veut dire qu'il y a copié ça dans le même qu'on fait. Donc si nous n'avons pas un modèle que nous gagnons, patrimoine ça que nous gagnons qui se met dans les bouquets, s'il ne parle pas d'ouvrir, c'est une catastrophe. Bien sûr. Alors nous profitons de ça pour nous lancer un cri d'alarme pour que les responsables dirigeants du pays. Responsable dans toute branche dans le pays là comme si pour porter code par yo parce que le pays a besoin gens de bagage ça yo dire comme si lorsque nous avons des petits monde qui a joué football ça a aidé nous capable sortir dans l'élégance juvénile ça veut dire que gain pas capable comme si petit monde à l'aide de talent que les gagnent comme si capable comme si chercher un pain devant a dit grand pile mesdames nous gain capable jouer même en France yo. Mais on a commencé peut-être pas de moyens mais pour nous là capable profiter de yo fri famille yo comme si des bagages pour capable avancer alors il est toujours important pour que nous capable comme si pas seulement ouvert Renja a dit Renja c'est premier comme si patrimoine nous gain mais c'est dans chaque département dans pays il a ouvert des centres comme ça pour permettre que nous accueillir plus jeunes dans pays là parce que nous avons souhaité que dans un mois, deux, trois mois encore dans le pays, là, c'est la détection qu'a fait pour nous capables de recruter d'autres talents. Pour que nous renouvelions les générations. Bien sûr, par exemple, là, nous avons eu 15 ans qui sont champions. Peut-être qu'ils ont eu 12 qui ont préparé là pour faire 15 ans. Voilà, relève après, c'est ça. Pour la compétition, mais qui résultat que un coach peut prendre l'équipe Sahara le bail. En y est, parce que Mme Sahara n'a pas de base, elle n'a pas préparé. Elle dit tout résultat que Haïti a bail dans le football jeune là dans le pays, c'est Renchan qui met 100% comme si le résultat ça. C'est quand nous. Alors, j'espère que tout le monde est conscient, même les gens qui créent terreur et tout, j'espère que lorsque nous-mêmes allons, nous sommes capables de gagner un match, nous sommes capables de faire fierté. Alors, j'espère que nous sommes capables de collaborer ensemble avec nous pour permettre que nous sommes capables de gagner Renchan encore et puis nous sommes capables de toujours continuer de travailler nous et puis comme ça, nous sommes capables belle que dans la compétition. Voilà, coach, nous rentrons maintenant dans la deuxième phase de compétition. On a commencé par un match face à l'équipe Guyana et samedi cabine, cap 5 mars. Et comment on match comme ça? Bon, depuis qu'on équipe qualifiée, on fait dans la phase ça, c'est-à-dire c'est pas un jouet parce que c'est toujours ils sont match football normal. Et tout le monde qui peut espérer gagner match là. Sauf que c'est nous qui mettons peut-être nous en place, c'est-à-dire ça que nous devons corriger, nous corriger et puis pour nous avancer parce que nous objectif nous c'est aller plus loin possible. C'est-à-dire nous connaissons que nous gagnons faiblesse, nous tous conscients de ça et tout. Nous essayons comme si tout ça que nous gagnons comme force là tout nous consolider. C'est unité entre nous-mêmes et rage de vaincre là, OK? Technique que nous gagnons, nous mettons ensemble, nous faisons seul fait sur une avancée. Voilà, vous êtes privé des trois joueuses et que vous allez récupérer dans la 8e de finale. Ça. Oui, mais match hier là, il peut être que nous venons gagner plus de champ. Vous avez deux mondes qui partent comme si météo actif pour capable jouer, mais on sentit que plus ou moins confiance. C'est-à-dire là, qu'on y a là, je pense que même sur le terrain, ouais, tout le monde a travaillé et sous banc tout. Je vois que mesdames étaient très motivées, comme si lorsque météo gagne, monter fait différence dans tout. Ça, c'est un très bon bagage pour nous-mêmes. D'accord. Et on a un dernier message pour les gens qui suivent nous là, coach.
c'est toujours continuer à encourager mesdames, parce que le travail à faire n'est pas facile du tout. Lorsque surtout à faire pas gain moyen du tout pour capable bailler résultat, alors moi que grand pile là nous qui comprendre situation, alors nous demander que nous capable toujours et continuer à encourager, parce que lorsque nous fait ça, ça aide nous à capable progresser plus. Merci beaucoup. Voilà, c'était Madame Fiorda Charles, directrice technique de la sélection. Et